Bonjour, cette vidéo va nous permettre de visualiser ce que sont des fractions égales. J'ai tracé ici un tableau avec 15 cases. Il a 1, 2, 3, 4, 5 lignes et 1, 2, 3 colonnes. Il a bien 15 cases. Sur ces 15 cases, je vais décider d'en hachurer 6. Je les hachure au hasard dans le tableau. Donc il m'en faut 6. En voilà 2, 3, 4, 5 et 6. Sur les 15 cases du tableau, j'en ai hachuré 6. J'ai donc hachuré 6 quinzièmes du tableau. Je vais refaire ce travail avec un autre tableau. Il a toujours 15 cases. 1, 2, 3, 4, 5 lignes et 3 colonnes. Et sur les 15 cases, je vais toujours en hachurer 6. Mais cette fois-ci, je vais bien hachurer les deux premières lignes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De même qu'au-dessus, j'ai hachuré 6 quinzièmes du tableau. Seulement maintenant, au lieu de compter en quinzièmes, au lieu de compter en cases, je vais compter par groupe de 3, je vais compter en lignes. J'ai ici une ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, une quatrième ligne et une cinquième ligne. Et sur mes 5 lignes du tableau, j'en ai hachuré 2. Sur les 5 lignes du tableau, j'en ai hachuré 2. On va essayer de voir ce que ça veut dire mathématiquement. La fraction 6 quinzièmes peut s'écrire 6, c'est 2 fois 3. Sur 15, c'est 5 fois 3. C'est donc 2 cinquièmes multiplié par 3 tiers. Ce qui est égal à 2 cinquièmes multiplié par 1. Ce qui est égal à 2 cinquièmes. L'idée de ranger les cases pour bien faire apparaître des lignes s'avère être une très bonne idée puisqu'on a démontré que 6 quinzièmes était égal à 2 cinquièmes. On est donc bien sûr, à la fois par le calcul et à la fois grâce à l'image, que 6 quinzièmes est égal à 2 cinquièmes. 2 cinquièmes s'appelle la fraction irréductible égale à 6 quinzièmes. Multiplié par 1, ce qui est égal à 2 cinquièmes. L'idée de ranger les cases pour bien faire apparaître des lignes s'avère être une très bonne idée puisqu'on a démontré que 6 quinzièmes était égal à 2 cinquièmes. On est donc bien sûr, à la fois par le calcul et à la fois grâce à l'image, que 6 quinzièmes est égal à 2 cinquièmes. 2 cinquièmes s'appelle la fraction irréductible égale à 6 quinzièmes.